purchase your tracks today. Kati Kapesa TV, Kati Kapesa service traiteur, chef Kati Kapesa en États-Unis. Yes, I. Kati Kapesa TV, ayo. Kati Kapesa TV, ayo. Kati Kapesa TV, ayo. Kati Kapesa TV, ayo. Abonnez-vous pour ma cause à l'actualité. Théâtre, colorate, musique, n'a pas ou pas. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, Netazini Mobimba, et si va valida. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, Etazini Mobimba, et si va valida. Pour un mariage na yo, Neko Kobanga Bangate, oh. Service traiteur, Katika Pesa, Eko Pesa, ma solo. Mouta malé au sommet, ta pesa, eh. Ah, a solo la tapie, Soko Koutani na ye, Eko Zala de Cité. Katika Pesa, na pesa yo nini, Katika Pesa. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs de la chaîne Katika Pesa TV. Tozana Esengo ya Koyamba Bino Lisusu na la tona biso ya couloir politique. Alors na mokolo lelo tozana ba sujet ebele o eza kolobama mais kasi ba sujet eza mingi na tina mingi c'est l'investiture hein, l'investiture du président de la République pour na affaire ya est du pays. Alors tozana trois sujets que nous allons développer aujourd'hui. Ba sujet vraiment eza très très capital o eza kolobama chaque fois na République démocratique du Congo. Alors, nous allons premièrement parler de l'allocution du président de la République qui s'est adressée hier. Hein, le président Félix Antoine Tshisekedi dit lobby à l'Ekaki na ba radio, et discours na yezalaki, allocution na l'Ekaki na ba radio. Il a donc parlé de l'état des sièges. Nous avons tenu une émission récemment au Tolobelaki état des sièges, mais le président a rendu cela officiel, donc a officialisé qui. Makambuya état de siège lobby, c'était sa passion directe sur la chaîne Katika Pesa. Vous allez voir, vous allez ensemble avec nous beaucoup de détails. Alors à part ça, nous allons également parler de la toute première réunion il y a Union Sacrée. Union Sacrée Salaki réunion lundi lobby lundi. Une réunion Union Sacrée Salemaki. Cette réunion a été dirigée par le président du Sénat. Moi, Namboka Modeste Bati. Et puis, nous allons aussi parler sur le phénomène RAM. Enfin, le ministère de Pétentic a décidé de faire appel à des réseaux téléphoniques. Otoza Nango Boyebi. Mais réseau Yamaka Suéza qui n'a impact dans ma Kambona, c'était Vodacom. Pour ma Kambouya RAM. Alors, il y a eu quelques explications claires pour atténuer au fait la tension de la population congolaise. Ce n'est que sur l'émission Couloir politique que vous pouvez avoir en exclusivité toutes les réalités politiques, pourquoi pas des informations de la première main, au Yotoza Komemelabino à chaque fois. Alors nous allons premièrement commencer à l'allocution et à président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le président de la République a l'obaki, lobby, ndenge totai ko annoncé bino, pour na makambo etali, makambo ebongé salimana est. Vous savez que le président annonça que une fois que le gouvernement a investi, a rokende ko fana na est ya République pour na ko landela pene pene makambo etali mobulu na est. Alors après avoir eu une réunion, le tout premier conseil ya ba ministre o esalemaki le vendredi 30, le président de la République ensemble avec le gouvernement central avait décidé de parler de ce que tozobenga sikoyo état de siège. Alors les gens, la population veulent premièrement savoir quand on parle de l'état de siège, il s'agit de quoi? Et là qu'on est dans l'état de siège, nini bazolo bela na état de siège, ce qui est alinine. Alors l'état de siège n'est pas une chose oyo ekobangi sabato. Vous savez, le président de la République tant alobaki makambo akofana na est, ezalaki pona likambo ya est esila.
à Sengaki renfort, il y a armée kenyenne. Oh, déjà, tu as annoncé bino que armée kenyenne baza déjà à la République démocratique du Congo. Bakomaki a lobby. Baza mbala moko na zone ya esika bitumba ezali na est na Ituri kwe na Nord Kivu. Ba armée kenyenne esi komaki. Je vais mettre une petite pause. Le temps pour nabino bomo na ba image oh ya arrivé ya ba soldats ya Kenya na République démocratique du Congo, vraiment na est du pays. Et puis on revient plus pour développer l'état de siège. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa Nitazi. De retour encore sur notre plateau, bienvenue encore à vous qui viennent à peine de nous rejoindre sur l'émission Couloir Politique dont je suis Joyeux Elenga, j'ai l'honneur de vous la présenter. Alors Tozaki Kolobela, avant Bomo na ba image o ya kokoma ya ba soda ya mboka Kenya o ba eko sunga biso pona kosilisa mobulu na est du pays, on était en train de parler d'état de siège. État de siège est la décision oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi auti kozwa na ba ministre ya gouvernement central pona kokita na est du pays esika mobulu eza kosalema. Alors état de siège yango ekosalema ndenge nini? Toza ko expliquer bino na émission Couloir Politique ndenge nini makambu ekosalema na est du pays. Alors état de siège ekosalema na province ya Ituri pe na province ya Nord Kivu. Alors, il tient lieu de savoir de quelle manière makambo ekosalema na ba disposition mokonzi ya mboka azwi pe na oyia lobaki lobby na ba radio pona makambo etali état de siège pe situation na est du pays. Alors premièrement, le FARDC au ezali armée nationale congolaise na biso, force armée na biso ba kokende ko fanda na est ya République démocratique du Congo ensemble en synergie avec ba province nyonso, mais les provinces trop ciblées eza province ya Ituri na Nord Kivu et sika penza makambu eza koleka ya mabe mingi place ba baza ko kufa mikolo na mikolo. Alors ndenge nini état de siège ko salema? Disposition à Liboso Mukonzambo Kalobi Boye. Alobi, les gouverneurs seront des militaires et les vice-gouverneurs seront des policiers. Et l'ingi kolobanini, na décision à Liboso Oyo, ba gouverneur nyo soto bazwami na Nord Kivu, peu bazwami na Ituri, ba kozala ba militaire. Donc, ba gouverneur, ba komi ba militaire, ba vice-gouverneur, ba kozala ba policier. Au fait, eza investissement ya moto nyonso autorité nyonso tout o azwami na ba pro o azwami na biteni wana mokonzambo katangi e komi se bongi siko ba koma bato o ba kobunda donc ba kokoma ba policier ba kokoma pe en même temps ba soldat. À part ça, on dit le namukanda yango ya mokonzambo kana maloba na ya lobili susu, les ministères provinciaux seront des militaires nommé par le gouvernement militaire. Donc, Mokonzi Oyaza gouverneur. D'abord, gouverneur ya ville, d'être gouverneur ya Ituri, a commis militaire. Maire de la ville a commis militaire. Chef administratif a commis militaire. Donc, circonscription Mobimba, province Mobimba, Bangonyo surtout va participer na makambu Oyo ya Nord Kivu na Ituri. Donc, oza mokonzi kuna, oza gouverneur, oza chargé administratif, oza maire de la ville. Mokonzi wana tolongoli, mokonzi amboka longoli yango nanu, bisonyo surtout tokobi bato na bitumba. Donc, l'affaire ya état de siège, ezande siko kofandisama ya bakonzi nyonso to baza kuna po bakota na kati ya mosala, po bango moko babandaye kobombama. Alors, nakolandela ya mikano ya mokonzi amboka asengi ke bango nyonso tout bakota na kati ya mosala. Donc gouverneur a commis soldat, vice gouverneur a commis policier, maire de la ville a commis militaire, chargé administratif ya province a commis policier. Donc bango nyonso tout bakoti na kati ya mosala. Alors les choses vont se faire de la manière suivante: la justice civile sera remplacée par la justice militaire. Donc justice civile, il y a province, il y a Ituri, il y a Nord Kivu, qui vous a remplacé par militaire.
Donc, il y a qui cité que bakozwa ba policier, ba soda, ba tche bango ba komi ba policier, nzoka eza bongo te bakozwa nde ba oyo bazali ba konzi na justice, bango nyoso tu bakokoma ba soda. Biso nyoso tu tokobunda. Tokobunda poete mobulu esila na est, kokufa ya bato esila na est, pe bato batika kokufa. Bana mboka ibongi boye ba ete likambu ya est. Na discours à mokonze mboka Félix Tshisekedi tango azaki na France akutana kina ba combattants lo biboye likambu ya est ezarate banguna moko tomboka moko elinge botola mabele na biso ezalaka ba complot ezaraboyokani ya bana ya mboka ya RDC bango moko ekoza ba député eza ba konzi misusu ba sénateur bao bazwami na kati ya makambwana nde basalaka ete bitumba ezaka tango iso na est pona kubundisaka pouvoir en place pona kotungisaka mokonzi ya mboka oya zali wana yango mona ka makambu eza kotambola na lolenge wana mais pona mbala oyo mokonzi atche oto bengi état de siège wana donc ozala gouverneur ozala vice gouverneur ozala maire de la ville yo poko mi soda yo poko mi moto a FARDC yo poko bunda poete mboka totelemela makambo eza koleka na est ya République démocratique du Congo eza na lolenge wana a part ba décision mokonza mboka asengi pe asengi liberté de l'expression alobi boye na makambo nyoso to alobi na mokano na ya lobaki lobi alobi la liberté d'expression toujours garantie mais démarche interdite droit à la vie garanti et la kisinini mokonza mboka lobi boye makambo lisusu ya kosalaka ba marche pona ko décourager bato na biso ba soda na biso FARDC esili ndenge ezalaki yo tokosala marche pona est tokosala marche pona nini non soki kosala marche marche ebongi kosala ezande pona ko soutenir FARDC armée na biso oyo ba koti na kati ya bitumba pona kosilisa makambo ya est ba pekisi ba protestation mokonza mboka pekisi ba protestation. Le président de la République a également interdit aux journalistes, aux hommes des médias de pouvoir tenir des propos décourageants. Vous savez, le propos décourageant là au Oya Lobeli, c'est pour ne pas décourager les FARDC. Ce n'est pas une mince affaire ya komona armée na biso mobimba et koti na kati ya makambo. L'affaire de l'Est a commencé il y a longtemps. Alors, une fois que le président s'investit, il mobilise les moyens nécessaires. Ça demande aussi un effort particulier de la population. Seul le président ne peut pas arriver. Ça demande la contribution du gouvernement, ça demande l'apport du gouvernement, ça demande l'apport de la population, ça demande l'apport aussi de vous qui êtes à l'étranger, ensemble pour te soutenir Mboka na biso, peto bengana, bato baza kotia mubulu na est. Alors le président demande, il dit ceci, la presse doit soutenir le FARDC et non critiquer le FARDC. Nous les journalistes faisons notre travail. L'affaire de l'Est, ce n'est pas une affaire personnelle au président de la République, mais c'est une affaire qui nous touche, nous tous là, en tant que population. Alors mobilisons nos efforts, réunissons-nous, soutenons-nous, afin que l'ennemi, ou soit nos ennemis, quittent notre terre. Te soutenir FARDC. Les journalistes, quand vous allez passer sur les médias, tenez des propos courageux, des propos qui motivent, des propos qui donnent la force à notre armée. Pour ça, pour motiver FARDC. Et non, Kolembisa, Batoyo, Bazako Kendeko Bunda, Ponambo Kanabiso, Kimia Ezalana, Est du pays. Alors, le président de la République na allocution naye a senga kipe ba makambo ebele na ba mikano oyo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi a sengi eloko liboso alobi je commande au gouvernement de ne pas ménager aucun effort pour assurer la logistique nécessaire aux forces armées déployées au front waneza akili loba mokonza mboka oyo a sengi na gouvernement ya kosala gouvernement sama lukonde oya sika asengi bango de ne pas ménager aucun effort pour assurer la logistique nécessaire na makambo mokonza mboka lobi
likambo ya est eza likambo esimbi Félix Tshisekedi mwana mboka zope malisusu te. Vous savez, du jour au jour, il y a des gens qui meurent. Et affaire ya est et yokani Afrique mobimba ba président ebele Afrique ba komi ko intervenir pour la situation à est et ils disent que likambwane ezabi somoko ba congolais, même les étrangers les savent que ezali kambwa ba congolais bisomoko. Alors cette fois-ci, le président demande que nous puissions soutenir le FARDC. Yo mwana poto oza na poto mokonza mboka tindi maloba lobi boy alobi à toutes les couches sociales internes et à nos compatriotes vivant à l'étranger du pays d'exprimer la solidarité et la cohésion nationale avec le peuple de l'Est et de rester vigilants et actifs pendant cette période de rétablissement des choses à l'Est afin que la paix soit rétablie. Binobana poto bozomina libanda ozana poto ozana Belgique ozana États-Unis partout pona makambu ya est manifester l'amour motivant tous selon les messages du président mobilisons nos efforts to motiver FARDC FARDC soki no bunda soki baza na confiance ya peuple soki baza na bolingo wana ya peuple soki peuple talisi bolingo na bango et pa na bango les choses vont se passer normalement. Partant de l'allocution du président, état de siège à Zakosala, et Zapona a été Mobulu et Sila na Est. Pona Mokano, ya Mokonzamboka, ya Kokendokofana na Est, Mokano wana, et Zouami na Kati ya état de siège. Ça peut arriver que le président descende sur les lieux et rentre dans la ville de Kinshasa. Mais, état de siège au Bozakoyoka, et Zande Kokotisama, ya ba gouverneur, vice-gouverneur, maire de la ville, chargé administratif, katina armée. Et ça, c'est que Bakopé, ça va nous mindou qui peut pas kende kobunda. Mais, et ça, investissement na bango, kokota na bango, na kati ya mosala, ko soutenir armée. Bango pe bakomi bato na mapinga, bango pe bakomi ko zalawana pona ete likambo oyo ya este esila. C'était ça la locution du président. Ebele ya makambo mokonzambo kalobaki, ezwami la. Katia Chen Nabisso, nous allons vous écrire et puis nous allons vous donner des détails en long et en large. Mais Makambo Tolobi Awa, Ezapona Kosungabino, Baobozana Libanda, Bostia Yangona Mitema, Bola Kisabolingo Yambo Kanabino, Bo soutenir Armée Nabino, Bo Pesa Makasi, Soke Kosenga Ete, Kotiata Naba Video, Naba Statue Koko, Mapona Komotive Armée, faites-le. Ce n'est pas une mince affaire. Likambuya Est est une mince affaire. Te. Batu bazo kufa, ba soda na biso bazo kufa. E bele pe bakokana ba oko kima, me banzimi kokota na bitumba wana. Alors le président de la République, Félix Tshisekedi a signé na biso nyonso, to soutenir armée na biso, to soutenir FARDC. Biso mokoto mikota na kati wana. Et puis le premier ministre Sama Lukonde s'est engagé ya ko mikotisa na Likambuya Est pour soutenir le président de la République. Et ensemble, nous demandons aux députés, bino ba bozwami na kati ya makamboyo, botika, bisonyo sotou, que ce soit les sénateurs, ezala ba députés, ezala ba journalistes, ezala ba opérateurs économiques, bisonyo sotou to la mouka, to soutenir FARDC, et longona mukonzi ya mboka, pona mobulu esila na est, pemboka na biso, kimia ekota. C'était ça. Maloba na mukuse o mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi alobaki lobi na maloba na ye kati na ba etando nyonso tu ya mikie. Diskura mokonzi lobi ezalaki kaka pona likambo ya est parce que ekomi siko ngonga oyo ebongi to s'investir biso nyonso kati na bolingo kati na bomoko tolongola ba tendance politique na biso tolongola ba appartenance politique na biso tokota na kati ya likambo ya est. Est ezali ya biso, eza mabele na biso, eza banguna na biso te, eza mboka mususu tende zo lingezwa mabele na biso. Kasi ezaka bakongomani, likolo ya bokonzi, likolo ya kowele la kiti ya bokonzi, nde baza kosa makambu ya boye. Kasi, mwana mboka Félix Tshisekedi pe alobi, bao bazo sa makambu wana, toko simba bango, na malobo alobaka na France, tango alobaka na bakombata alobaka, eza nango bakop, yaba na mboka kaka, oba sala ka ete nungu ezala kuna. Kasi,
tango makambo ekosila biso tokozonga peka na plateau oyo tokotali sabino bilongi ya bato bazana sima ya makambo oyo. Mais pour l'instant, le président demande à la population de se motiver. Oza la politicien, oza ya IDPS, oza la ensemble pour le changement, oza la ya FCC, oza la ya, ya INC, oza la ya, na, ya parti nini, biso nyonso, parti lumbumbuste, biso nyonso to sangana, pona ete mobulu esila na este. C'était ça, le dire du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Comme ça, tokozwasiko dossier ya Union Sacrée, bana mboka boyebi ete Union Sacrée ezali likanisi ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi tango akotaki na bokonzi. Banungu nungu ezalaki mingi na makambo matali politique pe na ba parti politique ebele. Alors etant que mokonzi alobaki ete naza mokonzi ya population mobimba, naza mokonzi ya baluba te, naza mokonzi ya baswahili te, naza mokonzi ya bikolo nyonso. Et il s'est dit de travailler avec tout le monde oya kondima ko adhéré na vision ya président de la République. C'est alors que mwana mboka Félix Tshisekedi a créé ki otobengi Union Sacrée. Union Sacrée ezali lisanga ya bato oyo ba politiko oyo bandimi ko sala na vision ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Na boye banda Union Sacrée bandaki Union Sacrée bimisa ki gouvernement na bango le 13 avril. Babimisa ki gouvernement na bango oyo eza kokamba na mona mboka Sama Lukonde pe Union Sacrée na mokolo ya lobby oyo tozalaki lundi 3 mai mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi apesaki motindo na mwana mboka Modeste Bahati pona kokamba réunion ya yambo ya Union Sacrée. Réunion yango ya Union Sacrée ezalaki réunion ya monene oyo esangisi bana oyo bauti bana ya mboka oyo bauti na ba tendance politique différente pe bandimaki ko adhéré na vision oyo ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Alors réunion wana ezalaki kokambama na mwa moto oyo akambaki yango ezali président ya Sénat oyo tobengi mwana ya mboka Modeste Bahati Lukwebo yende akambaki réunion ya Union Sacrée na motindo ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi muto afandisaki ye po ete akamba réunion oyo ya Union Sacrée. Alors la toute première réunion ya Union Sacrée ezalaki dirige na mwana mboka Modeste Bahati pe réunion wana tomonaki participation ya bana ya mboka ebele oyo tokoki kobenga kotanga kombo. Tomonaki Jean-Pierre Bemba azalaki na réunion wana ya Union Sacrée, tomonaki pe mwana mboka Kitenge Yesu oyo azalaki na kati ya réunion wana ya Union Sacrée, tomoni pe mwana mboka mokambi ya gouvernement Sama Lukonde mokambi ya gouvernement Union Sacrée azwamaki na kati ya réunion wana, tomonaki pe bato misusu bana mboka misusu ya ensemble pour la République oyo ya mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe pe tomonaki bongo pe bato oyo bazalaki ko représenter mwana mboka Vital Kamerhe na parti na ye INC, tomonaki pe bato ya IDPS oyo bazwamaki wana na kati ya réunion wana ya Union Sacrée. Alors réunion yango ya Union Sacrée maloba elobamaki na mesa oyo ekambamaki na mwana mboka Modeste Bahati na motindo mokonzi ya mboka apesaki ye ezalaki ya ko reconstituer Union Sacrée na sens nini ndenge nini Union Sacrée bongi siko etambola po boyebi ete Union Sacrée ezalaki kaka lisanga ya bato oyo bayaki ko adhéré na vision ya président de la République kasi e mokambi na yango moko toyebaki ezali kaka mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi kasi na kati ya masolo oyo elekaki lobi na kati ya réunion mwana mboka Bahati na motindo mokonzi ya mboka apesaki ye ezalaki ya ko revoir lolenge nini ya kotambola na biso na kati ya Union Sacrée. Na Union Sacrée na réunion na bango ya lobby makambo elobamaki ezalaki ya yambo ya kozongisa na nzela ba union surtout bakoti na kati ya Union Sacrée ya mibale ya lolenge nini Union Sacrée bongi etambwama ya misatu nani ebongi akamba Union Sacrée na sima ya mokonzi ya mboka pe banani oyo ebongi bazala lokola ba moto ya Union Sacrée. Alors maloba ya Union Sacrée etalisamaki na lolenge wana
tomona ki participation ya bana mboka pona ko talisa ete biso banson na gouvernement ya mbala oyo toza ko travailler pona intérêt ya mboka toza ko travailler pona intérêt ya mboka toza ko travailler pona intérêt ya mboka et non pas pona makambo oyo ya Italie moto na moto. Alors na réunion ya union sacrée ezala ki pe poete bino pe bana mboka boye baba nani bazana union sacrée banani pe bazana union sacrée parce que il y a des rumeurs par-ci par-là, tel n'est pas dans l'union sacrée, tel n'est pas dans l'union sacrée. Alors cette fois-ci la réunion consistait réellement pour na ko voir de quelle manière reformuler cette hiérarchie ya union sacrée ndenge nini ko kambama na sima mokonzi ya mboka nani ya ko kamba union sacrée nani ya ko banda ko sala bwe ko sala bwe. C'était aussi une opportunité pour na bino boye baba nani bazana union sacrée. Alors na komona to tangeli bino Jean-Pierre Bemba bomi tuna kazana union sacrée tozana union sacrée. Jean-Pierre Bemba était là à la réunion oye ezako tali saite azaki na azana union sacrée tozape na mona mboka kitenge Yesu oye azaki azana union sacrée tozape na mona mboka Moïse Katumbi oye azalaki représenté na ba membre na ye ya ensemble pour la République o bazana kati ya union sacrée tozape na bato ya INC o bazwami na kati ya union sacrée tozape na ebele ya ba cadre o ba utaki na FCC ba koti na union sacrée. Donc pour vous montrer que union sacrée ezana bana mboka ebele. Alors ezalaki bongo po boyeba banani bazana FCC pe banani bazana FCCT. Alors na kolakisa bino image ya bato ya union sacrée ba onyo surtout bazali na union sacrée pe ba o basis bazalaki na réunion pe tokozonga na sima. Ezalaki bongo union sacrée pona réunion na bango ndenge ba kosala ndenge ba bongisi pona kotambola longo na mokonzi ya mboka pe komikotisa na mosala pamba te gouvernement uti kobima sika union sacrée ebongi ya banda kosala mosala pona kosunga mokonzi ya mboka a kokisa bibongo maye ba miambo na ye pona mboka République démocratique du Congo. Donc c'était ça l'essentiel ya réunion ya union sacrée. À présent nous allons prendre le sujet ya visite ya ba Sango ya Senko oyo bakenai kokutana na mwana mboka mboso pona ko motiver mokonzi ya mboka pe ko talisa ko mikotisa na bango na likambo etali este na boye mwana mboka mboso ayamba kilobi bato na Senko bazaki epai na ye basololi pe batalisi na nzela na bango epai ya abeshole batalisi komikotisa na bango kati na makambo oyo pe bazwi mokano ya kosunga mokonzi ya mboka. Boyebi ete babandaki kotia mokonzi ya mboka nungunungu mpona nini aorganize belection ava échéance. Mwana mboka Félix Tshisekedi alobaki na etando alobi ete akoorganize belection na 2023 akobomba bokonzi te aye wana pe mpona kobomba bokonzi te akosala soki ntango na ye ekei eleki akei. Donc à promettre bango à organiser élection. Yango tomoni basango bakomi siko komikotisa na misala ya Félix Tshisekedi ko soutenir ye tangu aza kubunda pona mboka oyo. Donc mobulu oyo bango babandaye kotia ezalaki kaka pona mabongisi ya maponami. Lokola lobieta ko sala yango na boye tomoni basango komikotisa na kati ya misala oyo mwana mboka Félix Tshisekedi aza ko sala na mopanzi ya este ya mboka na biso. Alors pour conclure tokozwa sujet moko oyo boyoki na musika likambo ya RAM. Alors likambo ya RAM eza likambo eza na impact mingi na RDC. RAM au fait ezali ndenge bazoko mango RAM eza registre des appareils mobiles. Tozwi exemple ya Apple. Apple eza société esalaka ba iPhone. Ba Apple nyonso ezalaka surveiller. Omona mutu so azana iPhone na ye ebungi azana facilité so kazwa iPhone na sika ya kozwa biloko na ye ya kala. C'est de la même manière que balingi basala na biso awa na RDC. Mais vu que la population n'a pas été préparée pour na likambo ya RAM, ba réaction eza ndenge na ndenge. Normalement chaque utilisateur ya ba téléphone mobile devait payer par mois
1,7 $. 1,7 $, on a la sécurité de téléphone, on a des données au Ezanakat. Vu que la population congolaise n'a pas été préparée, ni aucune campagne, aucun forum, aucune conférence, même pas une publicité, il y a une monite réaction à la population et à la kibongo. Nango to sengi na banakin, boy ba ete likambu ya ram eza mabete, eza avantageux pour la population congolaise. Eza kamalamu, po ete soko bungi si téléphone na yo, okoyi kozwa téléphone ya sika, à travers ya code oyo kozwa na ram et ko permettre yo o récupérer nyonso oyo bungi saki na téléphone. Biso na kin ba ibaka biso ba téléphone na pété. Mais soko sombi téléphone na sika, tango zo futa ba taxe, eza une sorte de taxe pour na utilisation à téléphone mobile na yo. Tango zo futa yango téléphone eza enregistré, tango kozo téléphone ya sika, ozu oche automatiquement biloko na yo ezongi. Donc ramezelo ko mabété, bana poto, bana Kinshasa, bomona mabété, c'est juste que la population n'a pas été préparée pour l'affaire ya RAM. Maintenant, le ministère y a pétentique a décidé de revoir la décision naé ensemble na ba réseau cellulaire Orange, Vodacom, Africel, ba réseau nyo sopoite ba revoir yango et salé masiko malamu pour population a profiter na yango. Pour na code oyo kozoya ram partout okozala, okoyi kozala na connexion, okosala la connexion ofélé. Na pesi exemple na université de Kinshasa Unikin ba installé déjà système ya wifi ya ram. Donc ceux qui téléphone nous akaka enregistré au kokende kuna au télécharge salinyo surtout gratuitement. Ceux qui na magasin kitambo ba sali pe système wana za ba entreprise des autres travaillent en collaboration na ministère ya pétentic. Ceux qui za na code nayo okoyi ko se connecter partout na wifi gratuitement. Na boye yango anande polele ya likambo ya ram bana kin bana poto bomo nango mabete c'est au fait une façon ya ko permettre biso tous à la sécuriser na ba téléphone na biso polelo to komi komona mutu asali vidéo na mutu to akangi ba photo azabo lumbu okomona ba photo ane komi na téléphone na mutu mususu pote téléphone eza sécurisé te maintenant likamo ya ram ça sera mieux pour na sécurité na bino pe ya biso nyonso pour na ko garder confidentialité ya mutu na boye to komi na suka émission na biso. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis partout ailleurs voilà ndi biso na États-Unis na moni papa katika pesa pe mama katika pesa. Na République démocratique du Congo, na moni Monsieur Innocent Elenga, landi biso na Beni, na moni Gertrude Modakabo, na landi biso na commune Yantsele, na Paris, na moni Bongo, Jemiman Nguya, o landi biso, na moni Pe Bongo na Tunisie, na moni Mavi Lutete, na Maroc, na moni Glody Elenga, bato balandaka couloir politique ya makasi, na moni Pe Bongo famille Dimbambu, na Maroc, papa Serge, maman Naomi, William Dimbambu, binonyo sotu. Merci Nabino Bolela pour le couloir politique. Botika la malamu na pesipe mbote na libota na ngai mobimba ya katika pesa nzamba pambola biso musala malamu na bino nyonso bokomela biso ba sujection na bino ba message na bino ekosunga biso po ete musala na biso esale malisusu malamu koleka. Botika la malamu, merci na Kims o a réalisé émission oyo. Botika malamu pe à la prochaine. Madame Katika Pesa, mère boss, je dis est à te valide, yes. Katika Pesa TV, aïe, Katika Pesa TV, aïe, Katika Pesa TV, aïe, Katika Pesa TV, aïe. Propre petite sœur chérie, y'a madame Eliane Nito, la patronne, y'a service traiteur, la providence à Paris. Restaurant, service traiteur, chef Katika Pesa, États-Unis, mouvement Bafanita, Yuna Nyoboya, madame Katika Pesa, mouté maman la mouta yan Zambia, Yoga, je dis est à valide, pour mon koi. Katika Pesa TV.